L'ensemble des salariés de ce pays avaient la même énergie dans leur combat aujourd'hui qu'ont les travailleurs sans papier dans leur grève. Je pense que le gouvernement aurait vraiment du souci à se faire. Et puis c'est ce qu'on discute. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui comprennent différemment le problème de l'immigration, qui sont en train de comprendre que les immigrés ne vivent pas aux dépens de la société, qui payent. Tout à l'heure, on en montrait les fiches de paye, les fiches d'imposition. Les travailleurs sans papier cotisent à la sécurité sociale, payent leurs impôts, renflouent les caisses de la sécurité sociale. Sauf que comme c'est des faux papiers, le jour où il y a un accident, on ne peut pas bénéficier des prestations de la sécurité sociale. C'est tout le contraire du venin raciste qu'on a entendu pendant 15 ans, qui était colporté parfois par certains responsables politiques.